un fils dans le sens où le président Yahya Demba un jour a écouté Archives d'Afrique et a cru que je m'appelais Alain Focard. Donc a cru que c'était le fils de Jacques Focard. De Jacques Focard. Alors. Et ça a été la même chose avec le président Omar Bongo, qui croyait que c'était le fils de Jacques Focard, ont demandé à me rencontrer. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, mais vous êtes noir, mais vous pouvez pas être son fils. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il a cru ça. Et il m'a pris d'affection, il m'a félicité. Il a dit, très bien, j'aime bien Archives d'Afrique, je l'écoute. Et bravo pour ce que vous faites. Il m'a souvent donné des informations sur ci ou sur ça. Mais personne n'a le souvenir que j'ai été complaisant avec le président Yahya Demba. Qu'il respectait le fait que je sois libre, c'était même peut-être ce qu'il respectait le plus.